Bonsoir et bienvenue dans On a tous essayé. Avec ce soir, Pierre Bénichoux. Christine Bravo. Philippe Vandel. Le retour de Sophie Garel. Le retour de Valérie Mérès. Et Christophe Alévèque. Qu'est-ce qui vous arrive, Christophe? Rien. Vous n'allez pas bien, il y a un problème? Non, mais non, parce que non, pour la première fois, je vous ai vu applaudir pendant le générique. Non, on était en train de se dire, mais ça, c'est pas que le public d'aujourd'hui, mais en général, le public applaudit mal. Non, non, attendez. Mais il siffle très bien. Démonstration, parce qu'en général, c'est très français. Moi qui fais des concerts assez régulièrement, le public appuie mais sur le temps. Personnes, c'est facile de les entendre. Pa-ra-ra-ra-ra, pa-r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 a. Alors que le public fait... Renvoyez le générique. Non, attendez, alors que le public fait... Allez. Oh non. Non. Enfin, il se prend pour Herbert von Karajan, lui, maintenant. Yavol. C'est marrant parce que parfois quand tu parles on te trouve amusant et dès que tu bouges t'es d'une vulgarité. C'est parce que t'arrives plus à le faire, ça. Ah. Valérie Mérès, est-ce que vous pouvez dire à Sophie qu'elle me rende ma carpette? Ah oui, la carpette. Oui. Franchement. Tu vis dans la panthère? C'est quoi? J'ai fait la même réflexion au maquillage et elle avait l'air de se trouver extrêmement sexy en panthère. Et alors? Voilà, Christine. Moi, je suis ravie que les vieilles soient revenues. Les vieilles et les grosses. Comment tu appelles Pierre? Comment tu parles de Pierre, non, enfin? Je suis la plus jeune des femmes. Mais ça se voit pas, tu es discrète. Allez, passons tout de suite à la photo du jour, ou plutôt aux photos du jour, c'est dans Paris Match qu'on les trouve. Photo qui salue le succès, que dis-je, le triomphe du film La Marche de l'Empereur, un documentaire français, aux États-Unis. C'est vrai que ces manchots-là ont fait un tabac et continuent à faire un tabac aux États-Unis. On se demande déjà comment vont faire les manchots pour aller chercher l'Oscar quand les Américains vont leur donner, voire qu'ils repartent avec l'Oscar entre leurs pattes, comme ils font pour leurs œufs. Vu le succès, si ça fait comme le succès des Choristes ou du documentaire Être et avoir, souvenez-vous, il ne faudra quand même pas s'étonner si les parents des manchots réclament du pognon au réalisateur. paraîtrait même qu'Hollywood envisage déjà de tourner la suite qui s'appellera « Si tous les manchots du monde veulent bien se donner la main ». Et ce qui est quand même étonnant dans ce succès, c'est que c'est quand même pas la première fois que la France envoie des manchots aux États-Unis. On fait ça tous les ans à Flushing Meadows. Qui a vu le film? Vous aviez vu le film? Non, les manchots, ça me branche pas trop. Moi, j'aime bien que ça tripote. Il vaut les deux mains, oui. Personne ici sur cette table n'a vu le film. Moi, j'ai attendu le DVD. Il est sorti le DVD, je l'ai vu. Je l'ai pas acheté encore. Eh ben moi, je l'ai vu en DVD. J'ai la musique quand même, qui est très bizarre, ça me fait très plaisir. Alors, au lieu de dire tout ça, réponds non. Il est temps de passer à la revue de presse des dessins humoristiques de la semaine. Et on commence avec Pétillon dans Le Canard Enchaîné qui nous croque le Premier ministre Dominique de Villepin. Et on voit le Premier ministre nous dire « 100 jours, c'est un peu court pour faire un bilan de 100 jours ». Ouais. On retrouve le Premier ministre avec ce dessin de Rançon dans Le Parisien. On voit le Premier ministre qui dit à un Français « Je vous assure, le chômage est en train de baisser ». Le Français lui dit « Donnez-moi 100 jours pour m'en convaincre ». La liste noire, maintenant, des compagnies aériennes poubelles publiées par le gouvernement, ça a inspiré ce dessin de Vias dans le Nouvel Obs. On voit Chirac qui dit à Sarkozy « Parmi les compagnies interdites de vol, je lis Sarco Airlines, Air Nicolas et Isno Good Always. » Airways. Quoi? Airways. Pas Always. J'ai dit Always parce que vous m'avez dit que vous aviez Branyania tout à l'heure. Alors... Ouais, c'est... Non, ça, c'était l'année dernière. Dans Charlie Hebdo, Charb semble lui avoir trouvé un successeur au désormais célèbre Pianoman. Après Pianoman, l'usurpateur gauchoman, c'est Laurent Fabius. Ah,
Un petit tour chez les Verts avec ce dessin de Lefred Touron dans Le Canard Enchaîné. On voit une réunion des Verts. Il y en a un qui dit « Posons la question autrement. Qui n'est pas candidat pour 2007 ?» Il y a qui comme candidat chez les Verts ? Cinq. Ma mère, Voinet, peut-être Contasso, notre ami Stéphane Pocrin. Non, pas Stéphane Pocrin. Si. Stéphane Pocrin non, est candidat à la candidature, bien sûr. De notre équipe. Exactement. Alors pourquoi pas nous ? Ah oui, on a plus de chance. Mais moi, ce que j'attends, c'est le duel Sarkozy-Pocrin en 2007. Ça va être quelque chose. On reste avec ce dessinateur, Lefred Touron, toujours dans Le Canard Enchaîné, qui a signé un dessin plein de lucidité. « Voyons les choses en face », dit quelqu'un. « Finalement, ça sert à quoi une université d'été politique ?» L'autre répond « À dire les mêmes conneries, mais en manche courte. » La hausse du prix du pétrole, maintenant, avec ce dessin de Tinius dans Charlie Hebdo. Le carburant va augmenter. Oui, les Français abandonnent la voiture auprès d'un arbre et prennent le chien pour partir en vacances. Sur le même sujet, rançon dans Le Parisien. On voit des enfants qui voient un panneau ralentir. Ça doit être les mesures annoncées pour économiser l'essence. Babouze dans L'Humanité, même sujet. Adaptons notre comportement à la hausse du pétrole. Moi, par exemple, dit quelqu'un, j'avais un briquet à essence, ben, j'ai arrêté de fumer. Pour éviter le gaspillage de l'essence, le ministre des Transports avait proposé de limiter la vitesse sur les autoroutes, vous le savez, à 115 km/h. Réaction de deux Français à un comptoir, c'est signé Pétillon dans Le Canard. Dans ces conditions, 115 km/h sur la route, moi je dis que le mec qui achète une autoroute, il se fait avoir. C'est compliqué, ouais, ça demande. Et on termine sur ce sujet avec le dessin de Jules dans Charlie Hebdo. Essence trop chère, tiens, un nouveau riche. Les catastrophes aériennes de cet été ont inspiré, hélas, ce dessin à Cardon dans Le Canard, quelqu'un qui va à un comptoir d'une compagnie aérienne et l'hôtesse lui dit « Alors, vous choisissez quoi ? Crash au décollage, à l'arrivée ou en vol ?» Un peu de littérature avec Charb dans Charlie. On voit deux types qui discutent. Il y en a qui « T'as pas lu, toi, le dernier Houellebecq ?» L'autre dit « J'ai pas encore lu le dernier Balzac, alors qu'est-ce que tu m'emmerdes avec Houellebecq ?» Et on termine avec Maurice et Patapon, qu'on retrouve régulièrement dans Charlie Hebdo. Une jolie réflexion en trois cases. Alors, première case, on voit un des deux qui dit « Pourquoi on est aussi mal assis au théâtre ?»« C'est fait exprès, » répond l'autre. « Pendant que t'accuses le fauteuil de t'avoir cassé le cul, tu penses pas à dire que la pièce t'a cassé les couilles. » Cette semaine... Notre chroniqueuse littéraire Sophie Garrel a lu pour nous un heureux événement, le nouveau roman d'Eliette Abécassis, un écrivain de talent à qui l'on doit la répudier, mais aussi mon père. Oh, j'ai toujours du mal avec ce titre-là, j'arrive pas à le dire. Heureux, vendu à 100 000 exemplaires, ce n'est donc pas son premier, cet heureux événement. À savoir, est-ce que c'est bon ou pas? Est-ce qu'on va vous le conseiller ou pas? C'est sorti la semaine dernière aux éditions Albin Michel. Vous allez tout savoir dans un instant. On va donner la parole à Sophie, mais voici l'auteur. Eliette Abécassis. C'était comment votre gros succès ? Koumran. 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 C'est le livre que vous avez le plus vendu ? Oui, 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 c'était mon premier roman. Votre premier roman ? Ouais, ouais, et ouais. C'est bizarre de réussir un succès, un best-seller avec un premier roman et après d'en vendre moins. D'habitude, c'est un peu le contraire, non ? Ben ouais, mais c'est comme ça. Bon, c'était pas non plus une catastrophe les autres. Et puis, la preuve, c'est qu'on vous en demande encore. Mais c'est vrai que c'était une aventure très particulière de réussir comme ça un premier roman qui est lu. C'était assez formidable. Cet heureux événement est-il un événement qui a plu à, on voit bien de quel événement il s'agit. Hein. C'est le fameux heureux événement puisqu'on voit une dame enceinte sur la couverture de votre livre. Méfiez-vous quand même, chère Sophie, de ce que vous allez dire car je vous signale, j'ai lu ça dans la bio de cette jeune femme, qu'elle pratique régulièrement le kung fu. Ah mais moi je cours. C'est une grande différence. Méfiez-vous. Alors, l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune femme libérée, féministe, qui prépare une thèse de philosophie, qui vit un grand amour avec un garçon qui est un peu dilettante, mais qui s'occupe d'art. Où on a l'impression qu'il n'y a pas de barrière, où tout le monde est heureux, tout le monde est content, et on n'a pas de soucis, on ne s'emmerde pas. Ils font des voyages extraordinaires. Un jour, ils vont à La Havane, et un jour, à La Havane, ils voient des gosses. Le mec lui dit, bah, ce serait bien qu'on ait un enfant. Elle est très surprise, elle n'a jamais pensé à ça. Elle a la trentaine épanouie, ça ne l'a jamais effleuré.
Et voilà Tipa qu'elle nous fait un test et que la dame est pleine. Et donc, il va falloir assumer. Et à partir de là, c'est la cata. Cet enfant va la détruire totalement. Une grossesse dramatique. Alors, c'est très drôle parce qu'on passe par tous les stades de la grossesse. Les nausées, la laideur, les seins remplis de yaourt, le cheveu gras, le ventre qui gonfle. C'est le bouquin. La cellulite. Enfin, elle nous décrit une grossesse dramatique qui déjà éloigne le mâle de la jeune, du jeune Tanagra qu'il avait en face. Donc, malaise dans le couple. Et puis, alors, tout ce qui est prénuptial avec la préparation à l'accouchement, faire le chien. Ça, toutes les femmes sont passées par là. Il n'y a rien de plus humiliant que de se préparer à l'accouchement en faisant « c'est une horreur ». Après, c'est du Laurence Pernoud avec beaucoup d'humour, à savoir que donc il faut qu'elle se prépare à toutes les poussettes, celles qui se ferment, celles qui ne s'ouvrent pas, tout le matos qu'il faut investir pour ce gosse. Et le gosse arrive, une nénette, une mémé qui va leur pourrir la vie alors deux fois plus. Elle chiale toute la journée, elle est hystérique, elle est tyrannique, elle les emmerde toute la nuit, elle est la patronne de la maison. Tant qu'on vient pas la prendre, elle devient violette. Ils deviennent fous tous les deux, ils se séparent. C'est la haine. Et c'est très, très amusant. Le sujet, il est assez bateau, finalement. Le sujet, il y en a eu mille autres faits comme ça. Et c'est du Laurence Pernoud, je dirais, amélioré, parce que c'est plein d'humour. C'est écrit avec beaucoup de vivacité. Oh non, mais ce qui me fait rire, c'est que là, elle parle d'un enfant qu'effectivement, elle a eu dans la vie. Je ne sais pas si elle a eu les mêmes soucis. Elle parle des sortes d'enfants, mais elle ne sait pas ce que c'est. Ça dure jusqu'à 30 ans, tant qu'ils n'ont pas eux-mêmes les mêmes emmerdes, qu'on peut un peu en parler normalement et à égalité. Un enfant, c'est pendant 30 ans les emmerdes. D'accord, quand ils sont petits, ils ne critiquent pas. Mais à partir de 2-3 ans, vous allez voir, c'est la guerre jusqu'à 30 ans, je vous le dis, Eliette. C'est la guerre. Donc vous avez plusieurs bouquins à écrire. Celui-là était charmant. J'ai complété la remarque et la critique de Sophie. Ça veut dire quoi? C'est une expérience personnelle? Vous avez recueilli de nombreux témoignages d'amis, de copines, de camarades? Ça part d'une expérience personnelle parce que effectivement j'ai eu un enfant et c'est ça qui m'a donné envie d'écrire ce livre parce que en fait paradoxalement il n'y a pas beaucoup de livres sur la maternité en tout cas qui disent la vérité quoi. Je crois que c'est un vrai tabou en tout cas moi je cherche quand même là vous allez fort quand même. Hein. Bah je dépeins l'envers du décor hein, ce qu'on ne dit jamais et moi je me suis trouvée très désemparée quand j'ai eu un enfant parce que j'ai trouvé qu'on m'avait jamais expliqué ce que ce serait. On dit toujours ah c'est merveilleux. Vous allez avoir un enfant, c'est extraordinaire, vous devez être contente. Et en fait, on ne dit pas le cataclysme, je sais. Et le cataclysme pour la femme, effectivement, qui voit son corps devenir énorme, pour le couple, alors là, qui est complètement disloqué par la venue de ce troisième élément dans le couple. Il y en a que ça excite, hein, les femmes enceintes. Hein. Oui, ça c'est vrai. Non, mais la période où on est enceinte, ça va encore, c'est après. Et la fatigue, l'épisiotomie, les suites de couches. L'épisiotomie, vous avez eu ça, c'est... Vous l'avez séché au séchoir à cheveux aussi? Oui, séchoir à cheveux, mais sur le mode froid, tu vois. Mais pour sécher une... Je sais pas, moi, vous me dites ça, moi, je... Tu n'as jamais eu d'épisiotomie. Pour sécher la cicatrice, ouais. Les femmes prennent un séchoir à cheveux sur le mode froid pour sécher cette cicatrice et ça fait épouvantablement mal une épisio et c'est bien que vous en ayez parlé. Ça vous donne envie de le lire ce bouquin? Non, je croyais que vous alliez le dire, ça me donne envie d'en refaire. D'en refaire, non. Moi j'ai été heureuse enceinte, vraiment c'est les meilleurs moments de ma vie, c'est quand j'étais enceinte. J'aurais d'ailleurs aimé être enceinte toute ma vie, vraiment parce que... Certains le pensent. Est-ce que vous avez pensé, moi je me suis demandé, est-ce que vous avez pensé aux femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants et qui allaient vous lire et dire mais pour qui elle se prend la vache, elle a elle cette chance là? Je dis aussi à quel point c'est extraordinaire cet événement. C'est aussi un heureux événement et ça fait partie des beaux événements de la vie comme l'amour. Et justement cet amour maternel qui naît malgré tout. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, malgré le fait que ce soit si difficile, que ça détruise tellement de choses. C'est un livre qui dépeint la maternité dans sa complexité. Valérie Mérès, ça vous donne envie de le lire? Je sais pas, mais vous avez fait Hippocagne, Cagne, vous adorez la philosophie. On est très différentes, je veux dire. Moi, personnellement, je trouve que c'est quand même la plus belle chose au monde d'avoir un enfant. Et quand ils sont petits...
Ben, je sais pas, il y a quand même quelques mois, voire quelques années, où vous n'avez envie que d'une chose, c'est de vous occuper de votre bout de chou, quoi. Et pourtant, je suis pas une... Je suis quelqu'un de... Je suis très moderne, si vous voulez. Une jolie femme. Hein, franchement, j'étais pas trop moche. Hein, j'ai re-eu des fiancés après. Très jolie femme encore. Et toujours. Même récemment. Et voilà. Mais tu peux plus faire les mêmes positions. Comment ça, tu peux plus faire les mêmes positions après bébé? Pendant, j'aime pas, moi. De toute façon, quand j'ai couvé mon bébé... De toute façon, il n'y a rien de mieux, moi. Je vais vous dire, le jour où j'ai eu ma fille, j'ai découvert que, en effet, l'amour que j'ai pour les mecs, mais j'en ai rien à foutre. C'est les bébés, les... Et puis, plus ils grandissent et plus on les aime, même s'ils sont chiants, en effet, quelquefois, ils sont très chiants. Hein, moi, chérie? Bon, et voilà. Tiens, Bénichou, tu fais tout pour l'instant. C'est un sujet qui vous gêne, qui vous embarrasse. Oui, je me suis tue parce que... Vous n'avez pas envie de savoir. Je me suis tue parce que j'ai beaucoup à dire et beaucoup de questions à poser à cette dame. Voilà. D'abord, vous êtes un paradoxe vivant. Vous êtes jolie comme une starlette et vous êtes agrégée de philo. Vous êtes la petite princesse juive et vous avez été en même temps, une étudiante formidable, une normalienne. Bon. Vous dites que votre judéité... tient une place immense dans votre vie. D'ailleurs, c'est Shabbat, hein, vendredi à cette heure-là, vous ne devriez pas travailler. Hein. Bon, vous avez tout ça, et vous êtes la mère la moins juive qu'on puisse rencontrer. Parce que comment pouvez-vous être inscrite dans une tradition où vraiment la maternité, l'enfance, la famille, c'est tout, c'est plus que tout, et dire... Ça donne des rides, ça donne des vergetures, je vous dis pas les épictétotomies, le machin, bon, des trucs comme ça. Alors, c'est possible, ça? Est-ce possible, mademoiselle? Bah oui, c'est la rébellion. Je suis dans la tradition juive et en même temps, je suis dans la tradition des écrivains. On écrit pour contester, pour raconter les choses qu'on ne dit pas, pour lever les tabous et pour aider. Donc, dans l'écriture, c'est mon espace de liberté. Oui, mais Dieu, dans tout ça, il vaut mieux travailler le samedi et aimer ses enfants. Sérieusement. Vandel. Oui, parce qu'on est en train de lui parler comme si elle venait d'écrire un essai. Tout à l'heure, Sophie a raconté le livre. Ça avait l'air d'être très drôle. C'est un roman. Et moi, j'entendais ça, j'avais envie de le lire. Et je me disais, c'est une femme et un couffin. Alors, moi, je connaissais vos livres précédents qui étaient extrêmement documentés, fouillés, parfois même rhétoriques. Et c'était des ouvrages avec de la documentation, et là je me dis, tiens, c'est plutôt rigolo. Et alors, quand je prends le précédent au suivi d'avant, qui était La Répudiée, vous étiez dans un quartier ultra-orthodoxe de Jérusalem, et vous suiviez la vie des femmes qui suivent tous les préceptes de la religion. Elles avaient 6 enfants, 7 enfants, 8 enfants, elles étaient heureuses comme pas deux, et vous étiez pas loin de les comprendre. Maintenant, vous en voulez combien d'enfants, alors? Bah, je me remets déjà du premier, et puis j'attends de voir. Je ne sais pas encore. Christophe à l'évêque, l'heureux événement. Oui. On va finir par le savoir que les femmes font des enfants et pas nous. Que le nombre de livres qu'il y a sur le sujet, c'est tout simplement sidérant. C'est vrai que l'accouchement chez une femme dure toute une vie. Hein. Qu'est-ce qu'elles en parlent? Elles en parlent trop, je trouve. Alors, citez-moi un livre qui en parle. Il y en a très peu. Hein. Ah, c'est ceux-là. Moi, il y a toute une collection. Hein. J'ai eu droit à tout. J'ai deux enfants. Non, mais je ne parle pas des livres Laurence Pernoux, etc. Des livres édifiants. Qui a toujours 20 ans sur la même photo. Non, parce que j'élève mon enfant et je ne prends pas une ride. Non, mais c'est vrai. Est-ce que les hommes écrivent... Est-ce que les hommes écrivent des livres « J'ai assisté à l'accouchement de ma femme » C'est un roman. Non, les hommes savent souffrir en silence, c'est tout. Est-ce que vous avez, Christophe, assisté à l'accouchement de votre femme? Oui, au premier, j'ai assisté très bien d'ailleurs, trop bien. Parce que c'était à l'époque où il fallait tout voir. Donc tu parles de l'épisiotomie, moi j'en ai reçu une giclée. Hein, Ah non, mais c'est vrai, c'était à l'époque où venez voir monsieur, regardez, et tu regardes une sorte de... Tu dis, jamais je ne pourrais retourner là-dedans, si c'est pas possible. Et là, elle te dit, regardez, c'est les cheveux du petit. Et à un moment donné, mais je te jure, c'est vrai, à un moment donné, un petit scalpel comme ça, et regardez, comme il n'arrive pas à sortir. Et je trouve, moi, alors là, maintenant, s'il y a des mecs alors un conseil, n'assistez pas, mais n'assistez pas à l'accouchement de votre femme, allez au bar. Non, mais il y a... C'est vrai. Non, c'est vrai. Non, non,
il faut pas l'huer, il faut pas l'huer. Faut pas y aller. Non, là, soutenez-la moralement, soutenez-la dans tous les sens du terme, mais soyez. Vous choisissez. Ou choisissez un copain. Ouais. Un télégramme, un SMS, enfin. Ou alors allez-y, mais dis chérie, ouais. Philippe Vandel, vous avez suivi, on va dire non pas la carrière, mais les différentes prestations promotionnelles et télévisées d'Eliette à Bécassis. Exactement, la télévision. Alors ce qui est impressionnant quand vous passez Eliette à la télévision, c'est à quel point les animateurs, les présentateurs sont justement impressionnés d'abord par votre érudition et vos diplômes. Regardez. Normalienne, agrégée de philosophie. Bonjour, vous avez 31 ans, vous êtes normalienne et agrégée de philosophie, toutes mes félicitations. Vous voulez dire qu'intuitivement, votre talent d'écrivain, votre érudition d'universitaire... 34 ans, normalienne. Oui, normalienne, agrégée de philosophie. Ah, c'est pas Bernard Montiel. C'est pas non plus Valérie Mérès. Et alors, ce qui m'a frappé, c'est parce que tu l'avais dit. Il faut des différences. Ce qui m'a frappé, je vous montre ceci parce que ce que j'ai trouvé absolument craquant, c'est que vous ne faites absolument pas de ça une supériorité quelconque. Je vous ai dit que je trouvais ça charmant et craquant. Je suis sincère et je suis pas le seul. Par exemple, il y a l'intervieweur qui se passionne, non pas pour le livre dont vous êtes venu parler, mais pour un que vous n'avez pas encore écrit. Et on se demande bien pourquoi ça le passionne. C'est vrai que votre prochain roman, c'est l'histoire d'une jeune auteure qui vient sur un plateau de télévision et qui tombe amoureuse d'un animateur, c'est vrai? Et qui quitte son mari. Et qui quitte son mari. Voilà. C'est ça, non? Eliette. Hein? Hein? Eliette, t'as vu? Attends, c'est pas fini. Après, il y a le grand pro qu'on a vu d'autres, mais qui font à cause d'un regard de vous, à cause d'un mot de vous, ou peut-être des deux. Ça, c'est la loi du cœur. Quand on peut pas, on peut être amené. Alors, vous voyez le grand pro, et ben, même s'il en a vu d'autres, quand c'est à lui de parler, il perd complètement ses moyens. On a du mal à le comprendre, mais ça a été. L'histoire n'a été qu'une série de répudiations de cette nature. Et alors, comme je sais, Eliette, vous êtes une littéraire. Comme vous êtes une littéraire, je l'ai sous-titré pour que vous compreniez l'effet que vous faites aux hommes. Regardez, on y retourne. On a du mal à le comprendre, mais ça a été. L'histoire n'a été qu'une série de répudiations de cette nature. Bravo! Le zapping de Philippe Vandel! Un heureux événement, on vous en souhaite d'autres quand même, en tout cas un heureux événement, ce serait que ce livre fonctionne autant que votre premier roman. Ça s'appelle donc, vous l'avez compris, un heureux événement, c'était Eliette à Bécassis. C'est chez Albin Michel. Merci beaucoup. L'invité que nous allons maintenant accueillir, comment le définir? C'est une sorte de super-héros de la télé-réalité que les Inconditionnels de Koh-Lanta, une émission d'une autre chaîne, connaissent forcément. Il s'appelle Raphaël et l'année dernière, c'est lui qui pêchait des requins de 2 mètres avec un masque, un tuba et une ficelle et qui allait chasser l'iguane avec un arc de fortune. En plus d'être habile et courageux, il s'est aussi montré généreux et loyal envers les membres de sa tribu, puisqu'on appelle ça une tribu dans Koh-Lanta, qui du coup, eux, les autres, n'en foutaient plus une rame sur l'île. L'histoire de Raphaël, eh bien, si ça vous intéresse, vous la retrouverez dans un livre de Philippe Lenz intitulé « Raphaël, le survivant de la télé-réalité ». C'est sorti la semaine dernière chez Avetcom Éditions. Nous allons tout de suite recevoir pour en parler Raphaël Andrés, c'est son nom. Bonjour. Je regrette de ne pas avoir regardé Koh-Lanta l'année dernière. J'ai un peu vu là cet été parce que par hasard je suis tombé sur la une, mais l'année dernière. Non, bah, oui. Ça c'est un appuyant. Le hasard. Par hasard en appuyant. Mais, tu sais quoi, il tombe sur le bouton. Hein. Il était par hasard devant ma télé. Par hasard j'ai appuyé et par hasard j'ai regardé. Moi, si c'est pour vous moquer du chef, vous n'avez qu'à sortir. En tout cas, l'été dernier, pas cet été, mais l'été de l'année dernière, je vous avais pas vu. Je vous ai pas vu dans Koh-Lanta. Ça m'a permis au moins de découvrir des tas de choses sur cette émission et sur vous.
Bon, je vais laisser parler mes petits camarades. Moi, je dirais quand même, d'abord, quand j'ai acheté le bouquin, pour vous dire, je pensais que c'était un bouquin sur l'auteur et le chanteur, vous savez, Caravane. Raphaël Caravane. J'ai adoré cette chanson pendant c'est l'été. Sympa, oui. Oh, si on parlait de ça, tiens, plutôt. Comment c'était le duo avec Jean-Louis Aubert? Non, alors, vous, alors, quand même, c'est étonnant, parce que franchement, on n'avait pas entendu beaucoup parler de vous depuis l'émission. Vous réussissez à sortir un bouquin. Moi, je dirais que ce qui m'intéresse le plus dans ce bouquin, c'est la partie Koh-Lanta. La partie Koh-Lanta. Parce qu'évidemment, votre vie à vous, alors qu'est-ce que je m'en tape ? Ça, dans une logique, oui. Dans une logique, oui. Mais sauf que j'aurais jamais pensé faire un bouquin après. Mais on a monté un site internet et il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé de dire tiens, ben pourquoi tu fais pas un bouquin ? Pourquoi tu fais pas un bouquin ? Il y a même jusqu'à un niveau, quand même, j'ai pris mes t-shirts à les signer puis à les offrir. Quoi. C'est pas vrai. Ouais, ouais, ouais. Ah, la popularité va jusque-là. Ouais, c'était bien rigolo parce qu'en fin de compte, j'ai réalisé un rêve d'une émission de survie. En fin de compte, j'ai fait Robinson Crusoe. Ou alors, un truc tout fou, c'est j'aime bien regarder Raon, les bouquins. Ah oui, Raon. Et, ça, et même dans l'île, j'ai retrouvé une enfance de 10 ans parce que quand je prenais les iguanes, il y avait les hélicoptères qui rôdaient. Donc je voyais qu'ils caméraient. Avec les zooms, c'était sur moi, et je prenais les iguanes, et je faisais oh, je faisais un vrai gamin de 20 ans ou de 10 ans, mais en fin de compte, j'ai réalisé un truc vachement fort qui m'intéressait. Regardez, moi. Si, si, mais. Si, si. Enfin, comme c'est vous qui avez écrit La possibilité d'une île? Non. Moi, je suis pas un grand écrivain, donc j'ai rencontré quelqu'un. C'est vrai, ne dites pas ça! J'ai lu votre livre. Mais c'est pas lui qui l'a écrit. On peut dire quand même que pour avoir inspiré à un jeune écrivain ce que vous l'avez inspiré, il faut avoir une âme d'écrivain. Raphaël, quatre consonnes et trois voyelles, comme elle dit dans la chanson. Le oui, alors c'est vrai que c'est Philippe Lenz qui a écrit ce bouquin sur vous. Et il faut dire qu'il a eu l'idée en vous voyant dans l'émission. Oui, ce qui s'est passé, il m'a vu dans l'émission. On habite pas loin de l'un de l'autre, en fin de compte. Et par un ami qu'on connaît, qui connaissait Philippe Lenz, il lui a dit... Robert, Jean-René Goujon. l'autre, il a dit, écoute, tiens, je connais Raphaël, on s'est rencontrés. Bon, au début, c'était pas pour faire un bouquin. Non. C'était pour se marrer, te laisse pas faire par ses comptes. Je le laisse pas faire en plus, mais bien sûr, j'ai du caractère. Bien sûr, Dounet. Yes. Tes parents t'appelaient Dounet. J'adore comme surnom. Et, ouais. Et sur la côte, Dounet. Bon, vous avez eu Vornel. Oui. D'abord, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est écrit par un spécialiste en sciences du langage. Pardon ? Il est spécialiste en sciences du langage et j'ai rarement ouvert un livre qui était aussi loin du langage que celui-ci. Par exemple, pour dire avec les copains de l'époque, vos premiers émois avec les filles, c'était « il fallait se farcir de la dinde ». Bah oui, donc c'est quand même la grande oui, classe, non? Ça vaut le coup de faire des études. Et quand on a 16 ans, qu'on fait de la mobilette, c'était du bon temps, ça. T'en as fait de la mobilette quand même. Oui, mais il y a une façon d'écrire. Vous connaissez la différence entre. Oui, mais. Vous connaissez la différence. Ça dépend laquelle de mobilette. Pardon, juste un mot. Non, attends, pardonnez-moi. Vous connaissez la différence entre un boudin et une mobilette? Le boudin, je le mange, mais la mobilette, faut mettre de l'essence. Non, pas du tout. Non, vous connaissez c'est quoi, la différence. T'es bien dessus jusqu'au jour où tes copains te voient avec. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Christine. Alors, apparemment, vous auriez été l'un des candidats les plus aimés. Le plus aimé. N'empêche, vous n'avez pas gagné, comme quoi ça fait rien. C'est vraiment mais c'est un jeu. J'ai réalisé un rêve que oui, j'aurais pu jamais réaliser moi-même. J'ai compris. Mais alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est le régime. Alors, vous avez fait le régime Koh-Lanta. T'as pas tort, ma petite. Moi, faut qu'on y retourne. Vous avez fait le régime Koh-Lanta, vous avez perdu 17 kilos, vous avez repris direct après. Ah ben oui, moi, je suis une bonne paillasse, quoi. Je suis un bon vivant. moi, je suis un petit rablé. Non, pas du tout. Beaucoup d'élégance. C'est quand tous ces gens se moquent de vous en disant Koh-Lanta, je n'ai jamais vu. Mais oui, aux mais yeux de la professeure à la Sorbonne, ce qu'on fait ici ou Koh-Lanta, c'est exactement la même chose. Il y a une toute petite différence. Vous les emmerdez et vous avez raison. D'ailleurs, il n'y a qu'une chose que je n'ai pas aimée dans votre livre, c'est que vous dites que vous avez tellement de succès avec les femmes. Et que quand vous êtes revenu à la maison, votre femme a dit... Il lui manquait le vrombissement... Non, je mens pas ce geste. Non, c'est plus... Il lui manquait le vrombissement des insectes. Elle n'a pas pensé à vous faire... Il a lu le bouquin. Mais c'est bien vrai sûr, que... J'ai lu tous les bouquins, moi. Quand je suis rentré et tout, j'étais comme complètement déphasé. Ah, par exemple, pendant 2 mois. Mais moi, j'adore ça. Je pars tout en Afrique avec mes voitures. J'emmène des habits pour les petits Africains, tout ça, parce que, bon, c'est mon système à moi. Je pars tout le temps et tout, dans mes coins sauvages et tout. J'adore ça. Là, je me retrouve à Paris. Je m'en vais ce soir. Hein. C'est la jungle, ici. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est le Koh-Lanta à l'envers pour moi. Me retrouver dans la ville et là, je crois que je perdrais facilement. Christine, vous terminez. Alors, il y a un truc qui m'a... Donc, comment vous... On s'en fout de ma question.
question, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. En combien de temps on reprend 17 kilos après les avoir perdus? Ça, c'est la première question. Oui, oui. En combien de temps? Non, ne vous inquiétez pas, moi, je ne les ai pas encore perdus, mais c'est pour savoir. Oui, oui, oui. Alors, c'est pour gagner du temps. Par exemple... En combien de temps vous les reprenez? J'étais bien reparti pour que je les prenne pas trop, parce que je suis un bon fêtard, je me suis un peu calmé dans la fête quand même. Tant que j'étais bien revenu, j'avais repris mes 5 kilos, ça allait impeccable. Et là... Mais après, une fois la notoriété, là ça a pris vite. Hein. Ah oui, c'est la notoriété qui vous a fait prendre le... Bah, mais non, c'est qu'on est invité partout, quoi. C'est dingue, c'est vrai. Non, à cause de ça qu'on grossit. Regarde Laurent, personne ne le connaît, regarde. Non, mais c'est qu'on est invité partout et tout, puis qu'il y a de la bouffe devant moi, je peux pas résister, je suis un gourmand. Mais vous pouvez pas résister non plus quand quelqu'un dégueule à bouffer ce qu'il a redégueulé. Non, ça c'est autre chose. Ça. Ah, je suis désolée, messieurs, dames, écoutez bien. Ah, il fallait qu'elle balance ça. Il dit ça. À un de ses copains est bourré et il lui dit, va me chercher un seau. Alors il dit, bon, bah, j'ai vu qu'il y avait rien à faire, alors on est allé lui chercher un seau. Évidemment, il gère tout ce qu'il peut. Mais comme il m'avait gonflé avec son histoire de seau, je décide de l'emmerder à mon tour en récupérant les fruits de mer dans son vomi et en les mangeant les uns après les autres. C'est bizarre, ça avait toujours le goût de fruits de mer, sauf qu'ils étaient chauds. Très, très chauds. Alors, est-ce que ça... Non, attendez, parce que ça, c'est les mémoires d'un vieux dégueulasse. Moi, je crois que Houellebecq peut aller se raccrocher. Ouais. Hein. Mais parce que... C'est... Alors... Non, Raphaël... Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, j'ai aucune connerie là-dessus. Il y a peut-être une connerie, je faisais des roues arrière en CIAO pendant 20 km, 10 km, il a marqué 20 km. Ah oui. Et voilà, une petite erreur. Et aussi, dans un immeuble où vous habitez, vous avez sauté toutes les femmes de l'immeuble. Non, pas toutes les femmes. Ceux-là qui étaient. Ceux-là qui plaisaient. Le coup de la mer est là. Et là mais non, mais ça, c'est un show dans la vie quand même. Non, mais ça vous est arrivé vraiment? Oui, ça m'est arrivé. C'est le fantasme. J'ai essayé la mer avant la fille, oui, ça m'est arrivé vraiment. C'est la vie, je mens pas. Et la grand-mère, elle faisait quoi pendant ce temps-là? Elle comptait les points. Sophie. Bon, moi, il y a deux choses qui m'ont dérangée. D'abord, dans ce livre, il y a des non-dits. Or, quand on fait de la télé-réalité, on a envie de savoir les dessous, les coulisses. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a des trucages, il y a des montages, il y a des mecs qui vous empêchent de dire des choses, de faire des choses. Ça, vous dénoncez pas, il n'y a pas assez de réalité. Il y a autre chose, il y a le fait que vous racontiez votre côté kamikaze, bulldozer, le gars qui fait des sauts en moto de 25 mètres au-dessus des gens, tout ça. Allez, bon, sur mon site. Une vraie brute épaisse, quoi, finalement. Ben, un vrai macho qui se défonce, qui boit des coups, qui saute des filles, qui part dans le désert à voiture et qui... Et en même temps, j'apprends que vous pleurez devant la petite maison dans la prairie. Ça, c'est vrai aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la fêlure chez vous? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le drame? Moi, je fais ce que j'aime bien. S'il y a un danger à faire, j'adore ça. C'est quelque chose qui m'attire. Après, la petite maison à prairie où je pense tout le temps à mon chien, je pleure aussi. Mais bon, je suis comme ça, et puis bon... Carrière. À votre tour. Allez, go, on est parti, mon Kiki. Janvier 2020. 45 000 euros. Encore deux ou trois comme vous et moi dans Paris, va. Il pleure, il gueule, il bouffe, il baise, bien sûr. T'as envie, quoi. Non, tu les emmerdes. Moi, ce que j'ai dit, c'est qu'on va mourir, on va se faire réincarner en langouste, de toute façon. Bien sûr. Allez-y, Christophe Alévec. De toute façon, vous avez un accent qui chante, qui me plaît bien. Bourguignon. Exactement. Je suis fier d'être bon. Sauf bon, des fois. Alors. Non, mais les survivants de la télé-réalité, les vrais survivants de la télé-réalité, c'est quand même les téléspectateurs qui regardent l'émission. Sans doute aussi. Le titre a été écrit parce que survivant, télé-réalité, je l'ai fait. C'est pas un truc que je regarde spécialement, la télé-réalité. Tu me racontes ça, je m'en fous. Point de vue nature, j'aime ça. Mais en plus, je suis pas rancunier. Mais Christophe, en tout cas, a beaucoup regardé la télé pour nous et surtout ce qui va se passer dans les mois à venir. Fais une petite revue de presse de la télévision, Christophe. C'est pas exactement une... Enfin, juste... Alors, bon, c'est à moi. Tu m'as un peu... Tu comprends vite, hein. Ah ouais, alors, hé, caméra, oh. Alors, juste avant, là... Vous pourriez faire Koh-Lanta, vous. Ouais. Hein. Mais non, c'est pour rester ton sur ton. Oh. Ah, ouais. Alors, juste avant, donc, la présentation des nouvelles grilles télé, celles dans lesquelles vous serez enfermés toute l'année. Pourquoi appelle-t-on cela des grilles? Eh bien, pour que l'on puisse envoyer des cacahuètes aux animateurs, tout en oubliant que les singes, c'est nous. Ça, c'est fait.
Alors, quelques potins et quelques fuites. Avant la rentrée, donc, potins, Claire Chazal nous présentait en avant-première sa nouvelle tenue pour le JT. Sobre, efficace et permettant, je le rappelle, au cerveau de rester disponible pour les pubs sur les soutiens-gorge après le journal. PPDA, lui, au deuxième plan sur la photo, passait ses vacances studieuses avec Patrice Lelay au premier plan, alors que son fils Arnaud continuera de suivre les traces de son père à la télé, tel père, tel fils, comme est le titre. Alors, question, va-t-il ou a-t-il déjà fait un enfant à Claire Chazal? Marie Drucker, la nièce, va également être présente sur nos écrans. On partage beaucoup le gâteau en famille cette année. Alors, va-t-elle suivre les traces de tonton? Être encore là dans 40 ans, toute fripée, botoxée, liposucée. Oui, c'est injuste, les hommes vieillissent mieux que les femmes, c'est comme ça. C'est la nature, les hommes sont du cognac et voilà. Oui. Mais revenons à nos moutons, c'est-à-dire nos téléspectateurs. Fait notoire, donc, de plus en plus de femmes seront présentes sur le PAF cette rentrée. Dommage que ce ne soit pas le mien. À part ça, avant d'attaquer la saison, Arthur a fait prendre l'air à son cerveau. Oh mon Dieu! Pardon, pardon! Et Estelle, quant à elle, a dû croiser un éléphant en rut. Tandis que Benjamin Castaldi essayait de faire avouer à son fils s'il était oui ou non le fils d'Yves Montand. À part ça, rien de nouveau sous les antennes. La preuve, on est encore là. Ouais. Est-ce que, dernière question, est-ce que vous avez regardé Koh-Lanta cette année, cet été? Comment vous avez trouvé ça? Oui, j'ai regardé. Bah, j'ai ça vous a manqué? Oui, ça m'a manqué, oui. Mais bon, de toute façon, je m'en fous. En octobre, je vais en Guyane avec un arc et tout. Je vais monter jusqu'au Brésil avec les pirogues et tout. Ah ouais, donc, j'aime ça, quoi. Mais vous y êtes quoi, alors? Je fais de l'immobilier. Je veux être rentier dans l'immobilier, donc je travaille comme un fou dans mes appartements pour être tranquille plus tard. En tout cas, je ne sais pas si vous avez réussi, en tout cas, vous inspirez confiance. Moi, si je me lançais dans l'immobilier, ça serait avec vous. Non, mais moi, j'ai pas peur. De toute façon, j'ai confiance en moi. Vous êtes d'un naturel optimiste, on peut dire. Ah, mais de toute façon. Ne serait-ce qu'en venant ici. Ah, oui. Ça... ah non, moi, ça va bien, je veux dire. Vous êtes gentil, je trouve. Mais oui, je vous trouve très gentil. Mais moi aussi. Bon, qui morde. Puis, il manquerait plus que les bourguignons soient méchants. Il manquerait plus que les bourguignons soient méchants maintenant. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Inquiétons. Ils parlent tous comme vous en Bourgogne parce que je comprends rien. C'est... Non, non, si, on a un accent, certains, quand même, mais... on a un gars châtié. Raphaël, ils ne vous aiment pas, il n'y a que moi qui vous aime. On boit un chicano ensemble. Et qui sait à quel point vous êtes un mec bien. Riez leur au nez à ces cons-là. Ouais. Et si vous voulez faire de l'immobilier, je fais avec vous, moi. L'immobilier, ouais. Il y a un truc que je voudrais rajouter comme comme ça, c'est pour les jeunes. Par exemple, vous avez vu que je suis parti en CIO de Chalon-sur-Saône, sur la Côte d'Azur. En CIO, c'est les mobilettes. On n'a pas loupé ça. Hein? Et je voudrais dire aux jeunes que maintenant, il va venir l'hiver. S'ils veulent se préparer pour faire un tout petit voyage de 200 km pour monter quelque part et tout, au moins, ils seront fiers d'avoir fait ça. Et quand ils vont faire 200 km, ils voudront en abattre plus. Ils feront 600 et ils feront des vacances qu'ils oublieront jamais à 40 ans ou 50 ans, ce que j'ai vécu. Parce que les mobilettes, on a enlevé les pédales, mais un peu détente, on n'avait pas le droit. Ah, l'immobilier ou les mobilettes? Vous êtes dans l'immobilier ou les mobilettes? Non, mais là, j'avais 16 ans, 17 ans, là. Ah mais bon, c'est pas facile, je dis ça pour les jeunes. À Koh-Lanta, ils ont caché de la viande, mais pas des dictionnaires. Ils n'ont rien caché du tout, j'avais perdu 17 kilos. Ah oui. Alors donc, ça allait vachement mieux, j'avais pas besoin de miroir pour pisser un coup. Et maintenant, je l'ai remis, hein. Attends, j'ai remis le miroir. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. En tout cas, écoutez, on peut dire tout ce qu'on veut de TF1, mais ils savent faire un casting. Oui. Je sais pas s'ils sont pas un peu plantés. Et en tout cas, on va rappeler que votre livre s'appelle Le survivant de la télé-réalité, Raphaël, ici présent, et que l'auteur, Philippe Lenz, est actuellement parti à l'étranger. Merci. À partir de mardi prochain au théâtre Marigny à Paris, vous pourrez aller voir
Pieds nus dans le parc. Pieds nus dans le parc, c'est une pièce de Neil Simon mise en scène par Steve Suissa avec Sarah Biasini, la fille de Romy Schneider, et Olivier Sitruk, un acteur révélé au grand public pour son rôle dans L'Appât, le film de Bertrand Tavernier. Dans la pièce, Sarah Biasini et Olivier Sitruk interprètent un couple de jeunes mariés qui emménagent dans un appartement aux allures de placard, au 10e étage, sans ascenseur, ce qui va évidemment provoquer quelques tensions entre les deux amoureux. Pour parler ensemble de cette pièce Pieds nus dans le parc, une pièce américaine qui fut créée au départ par Robert Redford et Jane Fonda. Accueillons tout de suite Sarah Biasini et Olivier Sitruk. Bonjour, bienvenue. Pardon, bonjour, bienvenue. On va tout de suite faire plaisir à vos petits camarades, car vous n'êtes pas seuls tous les deux sur scène. Il y a des partenaires, et pas les moindres. D'ailleurs, Béatrice Agenin, excellente comédienne, Thierry Bosque, Denis Seba. C'est au Théâtre Marigny. Sont vos tout débuts sur les planches, Sarah Biasini? Pour moi, oui. Pour vous, oui. Oui. Ah, vous avez un peu les pétoches, quand même. Là, un peu. C'est mardi prochain, là. Vous êtes prête? Oui, il faut. Olivier Sitruk, vous avez déjà fait pratiquer les planches? Moi, j'ai fait pas mal d'années de cours, en fait. Donc j'ai pas mal d'expérience de cours. Surtout, j'ai fait le conservatoire. Je fais un conservatoire de région. Donc voilà, j'ai un peu plus l'habitude. Il faut dire aussi que vous avez un point commun, même si vous avez bien sûr joué dans de nombreux films pour le cinéma, c'est que les téléspectateurs vous ont aussi connu l'un et l'autre grâce à la télévision. Vous connaissez déjà évidemment Sarah, mais c'est vrai que le téléfilm sur TF1 il y a quelques mois a fait beaucoup pour votre popularité. Oui. C'était la fameuse Julie. Voilà, c'est ça. Évidemment, mes camarades ont des tas de questions à vous poser. Je commence par Christine. Alors d'abord, il y a un truc complètement faux écrit dans votre biographie. Sarah grandit à Saint-Germain-en-Laye. Alors ça, c'est pas vrai. Sarah, vous avez grandi dans Paris Match. Oh. Vous avez grandi dans Gala, vous avez grandi dans Hola, vous avez grandi... je vous ai vu à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans, à 8 ans, je vous ai vu... pas tant que ça. J'ai vu... Ça. Oh, je suis désolée. J'ai vu Sarah grandir dans les journaux. Tu permets, c'est mon tour, quand ça sera ton tour, tu parleras. Et je lis donc que c'est votre papa qui, pour vous protéger, vous a exposé, en quelque sorte, pour éviter les paparazzis. Régulièrement, voilà. Mais assez régulièrement, quand même. Il y a eu des petits soucis au début, parce qu'il y avait... d'abord, il y avait une demande des rédacteurs en chef. Il y avait pas mal de paparazzis, comme on les appelle, à l'école. Bon, des choses qui sont pas toujours... enfin, qui sont un peu spéciales à vivre. Mais voilà, on vous a reconnu plus dans la rue, puisque vous étiez dans les journaux, ou pas? Oui, mais pas tant que ça non plus. Hein. Je veux dire, les gens viennent pas... Et puis moi, je regardais pas les gens en permanence pour savoir si nos regards se croisaient ou pas. Très franchement, évidemment, il y avait peut-être eu ces reportages que, évidemment, Christina a remarqué, mais moi, je trouve que vous avez été plutôt discrète pendant toutes ces années, au point même, et alors là, c'est une méthode de travail très différente pour l'un et l'autre, au point même que vous êtes allé apprendre à jouer et à faire du théâtre, dites-moi si je me trompe, aux États-Unis, c'est bien ça? Alors que vous avez acheté... J'ai aucun problème, personne ne connaît mes parents. Attendez, vous, Olivier Sitruk, vous êtes dit, je vais pas me payer le voyage, vous avez acheté un bouquin. Moi, j'avais acheté tous les livres, effectivement, pour apprendre à être acteur, parce que je croyais que ça pouvait s'apprendre dans les livres. Valérie Mérès. Oui, moi, ce que j'entends, quand Christine parle de l'enfance de Sarah en lui disant « on vous a vu partout », je trouve ça absolument incroyable. D'abord là, elle est là pour parler d'une pièce qui est un très beau projet, je pense. Bon, moi, j'ai très envie d'aller vous voir. C'est pas du Brecht non plus, hein. C'est pas du Brecht non plus. C'est le genre de pièce américaine qu'on voit partout. Je parle. C'est une bonne pièce de boulevard. C'est incroyable, tu peux pas te taire quand on parle. Et toi, tu vas la fermer aussi, toi. Qu'est-ce que c'est que ces blondes, enfin, vraiment. Valérie, terminé, Valérie. Ouais, mais je sais plus. Moi, je dis qu'il ne faut pas poser des questions à Sarah Biasini, qui en plus a mis du temps à déclarer qu'elle était actrice, qui a bossé pour le devenir, et lui parler de sa mère, quoi. Je trouve que c'est tellement mieux. Je trouve que c'est tellement mieux qu'elle soit là. Quantité de jeunes comédiens. Je ne vous coupez pas la parole entre vous. Attends,
ça ne retire rien. Moi, je l'ai vu dans Julie de Maupin, je l'ai trouvé formidable. Mais tu ne peux pas nier qu'elle a plus de chance au départ qu'un jeune elle comédien. Elle le dit elle-même. Mais ça va. Alors ne dis pas. Eh ben, elle le dit elle-même. Contraire. Et moi, je ne lui poserai pas de questions là-dessus. Mais Olivier, je n'en ai pas posé Olivier, non plus. Comment va ton père? Non, mais je pense qu'à un moment, c'est vrai que. C'est quand même le scoop de la soirée. Monseigneur Citruc. Bon, c'est vrai, du tout. Il n'y a que ça qui t'intéresse. C'est dingue. C'est un destin, c'est comme ça. Vous savez ce que disait Pierre Brasseur à son fils? Il lui avait dit: fuis l'imitation, accepte la ressemblance. C'est ça, vous êtes la fille de Romy Schneider, vous lui ressemblez, vous êtes touchante parce que les tas de Français ont été fous d'elle, amoureux d'elle, ont trouvé la plus belle femme du monde et la plus touchante du monde. Parfois, dans votre sourire, vous lui ressemblez, ça nous touche à tous. C'est tout, mais c'est pas pour ça qu'il faut s'interdire d'en parler, voilà. Ni non plus en parler trop. Voilà. Très bien résumé, parfait, Pierre. Sophie. Bien. Je suis très contente de voir Olivier Citruc, que j'avais aperçu dans un film sur une autre chaîne où vous faisiez des rôles de jumeaux. Oui. Hein? Est-ce qu'on vous a payé double cachet pour ça? Non, mais c'est ça fait plusieurs fois qu'on me pose la question et vraiment, il faut que j'appelle le producteur. Quand on est en mal de casting, c'est bien parce qu'autant prendre un beau gosse qui nous remplisse toute l'affiche et qui nous fasse deux, trois. Surtout quand on s'appelle Citruc. On peut imaginer qu'il y a beaucoup de choses. On peut en faire plusieurs, voilà. C'est pas mal. Christophe Alévèque. Ah oui, je vous ai réveillé, hein. Pardon de vous avoir réveillé. Il était en train de s'endormir. Alors avant, moi je vais vous paraître vraiment super niais, mais avant que Pierre ne prononce le nom, je ne savais pas que vous étiez la fille de Romy Schneider. Donc, ouais. On sent le mec qui travaille les dossiers. Non mais moi je lis le prix Goncourt, je lis pas Paris Match. Moi. Voilà, effectivement, maintenant que vous le dites, je trouve que vous avez des airs de Alain Delon. Alors, si on parlait un peu de la pièce, parce que vous êtes quand même venu. Bonne idée. Pour ça. Ah, quand même, là le public fait plus où. Alors, c'est sur l'expérience de la vie de couple, hein, on est bien d'accord. L'amour résiste-t-il au quotidien, en gros? Ça, c'est un thème très important, parce que si fumer tue, le quotidien aussi. C'est vrai que ça devrait être marqué partout dans l'appartement. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, restons vigilants. Par exemple, au quotidien, tous les jours, j'essaye de surprendre mon épouse. J'essaie de surprendre au quotidien, lui faire des petits cadeaux régulièrement, le petit déjeuner au Lille du dimanche, être disponible, à l'écoute. Tendre, Venise tous les 15 jours. Bon, des fois, je m'absente un mois pour mieux qu'on se retrouve, quelquefois deux mois. Là, je vais essayer trois ans. Voilà, il y en a même certains qui divorcent pour mieux s'aimer. C'est vrai. Comme ça, avouons-le quand même, en un mot commençant, le mariage, c'est un peu la maison de retraite de l'amour quand même. Pour vous, le vrai ciment d'un couple, et est-ce que la pièce en parle, c'est quoi? Pour moi, c'est le sexe. Dans la pièce? C'est vrai. On n'en parle pas dans la pièce. Pas vraiment. Oh, oui. Pas vraiment. Oh non, on parle pas de ça. Ça raconte quoi? Ça raconte le début du couple où tout est beau, ou est-ce que ça raconte la dégradation et quand ça commence à partir? La première dispute. Voilà. Ils viennent d'emménager, ils se sont mariés 6 jours auparavant, ils ont passé 6 jours dans un hôtel, il n'a pas vu l'appartement, c'est elle qui l'a choisi. Et il se trouve que lui est un jeune avocat, il va plaider sa première affaire le lendemain. Et elle essaye de faire tout bien, sauf que les choses n'arrivent pas au moment où elles doivent arriver. Les meubles n'arrivent pas, il y a un trou dans la verrière, il n'y a pas de chauffage, c'est au 10e étage, etc. C'est le début de ce qui a marqué fin quand c'est Blanche-Neige, Cendrillon et tout. Quand on dit ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants, voilà. Et ben eux, ça y est, 6 jours après, déjà ça commence. Alors vous imaginez. C'est au théâtre Marigny à partir de mardi prochain, courez-y. Vous ne courez pas, restez encore un instant avec nous car Jérôme Bonaldi nous rejoint. Jérôme Bonaldi. Vous leur amenez des cadeaux. Non, ça je les garde. Et vous avez vu le sourire que je vais crâner, que j'ai les deux nouvelles consoles de jeux portables dont on nous parle. Celle-là fait des jeux, je peux, avec des cartes mémoire, regarder les photos. Quand je vais chez la grand-mère, je lui montre la photo. Elle se branche sur Internet. Là, je mets des films, j'ai mis un petit film, là c'est Spider-Man. C'est Spider-Man. Film. Voilà. Pardon, allez, joue. Oh, ça a l'air d'être un film de cul. Hein. Ah non, vas-y, pardon. Tu peux regarder la télé avec.
Non, c'est pas fait pour. C'est vraiment une console de jeu. Non, photo, là, ça fait MP3, on met de la musique, d'accord. On se balade je avec. Je demande si on peut regarder la télé. Répondez par oui ou par non, Bonaldi. On peut regarder des films DVD, on peut regarder des vidéos films. Répondez les non, DVD, on ne peut pas regarder la télé. C'est alors, le DVD, il est plus gros que la bécane. Non, parce que c'est un nouveau format qui vient de sortir, qui s'appelle voilà, l'UMD. Ah voilà, on va encore se faire avoir, il va falloir tout racheter. Exactement. C'est un peu ça. Oui. Est-ce qu'il y a un code d'accès? Parce que moi, non. Je me suis battu tout l'été pour que les enfants arrêtent de jouer à ça. Non, il n'y a pas de code d'accès. Mais ils peuvent se brancher sur l'Internet. Ils peuvent jouer comme ça à plusieurs avec des jeux, avec plein de joueurs derrière. D'accord? Mais Christophe, si tu les occupes, ils ne joueront pas. Hein. Les occuper, j'ai qu'à les élever pendant ce temps. Alors, ça c'est... Bon, ça tout le monde en parle, tout le monde en a parlé. Ça fait la une des journaux, c'est bien. Et c'est la guerre. La guerre contre... Vous la connaissez, la DS? Non. DS comme Double Screen. C'est l'autre concurrent japonais. Ah oui. Oui, parce que lui, il a un grand écran, mais il en a qu'un. Tandis que lui, il a un plus petit écran, mais il en a deux. Ouais. Et il contre-attaque avec un jeu, qui est un jeu très marrant. Alors, ça s'appelle Nintendogs, parce que c'est des chiens qui sont là. Alors, on a un chien à soi, on peut l'appeler. Le chien, ah ben, je vais l'appeler, là. Laurent. Laurent. Bah oui, parce qu'il fait... Ce truc-là fait reconnaissance vocale. Oh, il est mignon. Il est mignon, hein. Alors, je vais prendre... Attendez, bougez pas. Il a des bonnes joues. Attendez, bougez pas. Je prends le stylo. Bah, voilà. Si tu continues, il va te pisser dessus. Bah, c'est un peu ça. Comme il a un écran tactile, voilà. Il est là et il va... Regardez. Regardez. Il regarde là. Il regarde à droite. On regarde à gauche. Voilà. On peut le caresser maintenant. Mais arrêtez d'embêter les chiens. Je vais appeler Brigitte Bardot. Là, il est content. Allez, assis. Assis. Il est déjà assis. Assis. Il est dans les chiens, il s'est couché. Là, ah, c'est là génial. On lui fait un petit câlin. Il adore c'est ça. C'est génial. Voilà. On peut lui regarder l'oreille. Je vais lui soulever l'oreille. Il adore ça. Hop, je lui soulève l'oreille. Il n'y a pas besoin de le sortir le soir. En plus. Il y a au Japon énorme succès avec ce truc-là. Évidemment. Parce que quand on rencontre quelqu'un qui a le même jeu, eh ben, les chiens ils viennent d'un truc à l'autre. Ils passent d'un écran à l'autre. Mais attends, j'ai pas compris. C'est la même race? Ouais. Non, on a 16 races différentes, vous pouvez choisir. Vous pouvez mettre un collier de différentes couleurs. Enfin, vu l'écran, vaut mieux pas prendre un Doberman. Non mais attends, à part se foutre de la gueule de Laurent, ça sert à quoi? C'est quoi le but du jeu? C'est un chien. Ça sert à... Attendez, c'est un concept assez nouveau. Pour vous qui êtes vieux, ça s'appelle jouer. On joue. Et voilà. Une dernière question, Jérôme, laquelle des deux est la mieux? Ah bah c'est à votre choix, hein. Celle-là, elle fait plein d'autres choses à côté, elle est un peu plus adulte. Celle-là, elle est vraiment complètement familiale. Et vous vous faites un plaisir, évidemment, de les offrir à Sarah Biasini et Olivier Citruc. Merci, Jérôme. Pieds nus dans le parc, ce couple est à l'affiche à partir de mardi prochain au Théâtre Marigny. Je ne le redirai pas. Sauf si vous aurez le droit à une petite promo supplémentaire si vous êtes bon au qui a vu qui a vu quoi. Il s'agit pour vous, Sarah et Olivier, d'essayer de trouver les réponses aux questions que je vais vous poser à partir de photos parues dans la presse. Mes camarades vont eux aussi essayer d'y répondre. On fait un petit classement quotidien. Caroline Diamant est la plus douée pour l'instant. Elle est en tête juste devant Pierre Bénichou, Annie Lemoine, Jean-Luc Lemoine, Gueluc. On va peut-être pas regarder tout le classement. À l'évêque, un point. Miller, un point. Jean d'Ormesson est pour l'instant le seul invité qui a répondu à une bonne question. On compte donc sur vous, Sarah et Olivier. Voici la première photo. Qui est cette jeune femme? Ah, ça c'est... Je sais, c'est Nathalie Marquet. Je le dis pas. Nathalie Marquet, bravo Sophie Garel. Quand elle était Miss France. C'est vous dire que quand même c'est dur pour Jean-Pierre Pernaut parce qu'il l'a quand même métamorphosée maintenant, elle se tire. C'est dingue, mais je ne l'aurais pas reconnue. Elle est méconnaissable. On se demande même comment elle a réussi à être Miss. Hein, sur la qu'est-ce qu'il y a? Elle avait déjà un peu une tête de cochonne, quand même. Attends, moi je dis... Non, mais attends, je... Franchement... C'est un point, en tout cas, pour Sophie Garel, son premier. Regardez cette photo. Qui tient la main de Johnny? Mimimati. Mimimati, bravo, oh, Philippe oui, Vandel. La solidarité des petits. Elle est connue, cette photo. Attention, on laisse 3 secondes d'avance à nos deux invités, ça me paraît normal. À qui appartient ce chien? Ah, c'est pas la reine d'Angleterre ou c'est à la reine d'Angleterre, pas du tout. Pamela Anderson. Non plus. C'est une vieille dame, non? Welbeck. On en parle beaucoup de ce chien, c'est le chien de Michel Welbeck. C'est bravo, vrai Christine. Ah. Ouais. Qui a vu quoi? De quel événement s'agit-il?
Venise, le festival de Le Lion d'Or. Bravo, Olivier Sitruc, première réponse, un point. Allez, un dernier pour la route. Qui a vu qui est ce garçon? Pour un garçon, ça. Ah oui. Oh, bah, est-ce que ça peut être sur le tournage des Bronzés? Non, mais c'est sur un tournage de film exact. Ah, le film sur le camping qui est filmé avec Mathilde Seigner. Non, c'est pas Mathilde Seigner. Jean Dujardin. Non. C'est vous le connaissez pourtant très bien. C'est Dubosc, non? Franck Dubosc, deux points pour Olivier Sitruc. Alors là. C'est bientôt l'Académie française. Vous venez de griller Jean d'Ormesson. C'est formidable. On peut encore applaudir nos deux invités. Sarah Bienvenue, Olivier Sitruc. Et chose promise, chose due. Deux promos. C'est au théâtre Marigny. Ça s'appelle Pieds nus dans le parc. C'est à partir de mardi. Merci à tous les deux. Merci. Et bon week-end.